Ce blog, pour communiquer de manière différente avec les genevoises et les genevois, les personnes qui s'intéressent à Genève, qui s'intéressent à la politique. Ce blog aussi pour être dans une immédiateté parfois de l'information, de pouvoir partager d'autres choses différemment. Ce blog aussi parce qu'au XXIe siècle, je pense que c'est important d'utiliser les nouveaux médias et notamment les médias sociaux. Donc au travers de ce blog, c'est aussi Facebook, c'est aussi Twitter comme plateforme. Ce blog aussi pour pouvoir toucher peut-être des publics qui ne s'intéressent pas à la politique ou qui ne s'intéressent pas à la politique telle qu'elle est écrite, relatée dans les journaux. Et finalement aussi ce blog pour pouvoir rendre des comptes de manière plus transparente, répondre aux questions, aux interpellations, entendre de manière différente la voix des genevoises et des genevois. Je pense que c'est très important quand on fait de la politique de démultiplier les plateformes de rencontres. Et ce blog, c'était une plateforme nouvelle, une autre façon d'entendre les gens, d'ouvrir la porte de mon bureau, même si virtuellement, mais dans les faits de manière tout à fait tangible, parce que vous avez été nombreuses et nombreux à m'interpeller, à me faire des suggestions, parfois des critiques, très souvent constructives, et je vous en remercie. L'avenir, eh bien, ça sera pour moi de continuer à discuter et dialoguer avec vous via ce blog qui va un peu changer puisque je n'aurai plus la chance d'être maire de la ville de Genève. Donc on va changer l'esthétique, on va changer le graphisme, mais on va garder le contenu tout en essayant de l'améliorer.